Trois habitudes pour changer ses finances en 2024. Alors, la première chose, moi, je vous conseille pour changer vos finances en 2024, c'est de prendre un rendez-vous avec votre conseiller bancaire, enfin, avec votre banquier, afin de faire un bilan sur ce que vous mettez de côté. Faites un bilan. Donc, première chose, rendez-vous, faites un bilan avec votre banquier par rapport à vos finances. Deuxième chose, prenez un conseiller en gestionnaire de patrimoine. Très important. Ça, il va vous aider à planifier vos objectifs. Si vous avez des projets d'achat de maison, il va vous aider aussi à mettre de l'argent de côté. Et ensuite, il faut que vous planifiez votre succession, votre retraite, votre succession. Et ça, c'est important, même si vous êtes jeune. Alors, vous pouvez commencer, à quel âge vous souhaitez avoir des enfants, combien d'enfants vous souhaiteriez-vous avoir. Et si vous êtes jeune, vous pouvez dire, bah, quand je vais commencer à travailler, je vais commencer à économiser, à avoir une assurance vie, ou deux ou trois, parce que si vous voulez deux, trois enfants, je vous conseille d'avoir une assurance vie pour chaque enfant. Et puis, vous commencez à mettre de l'argent de côté. Mais vraiment planifier. Voilà, n'hésitez pas à prendre le game plan, donc je vous le montre, ça va vraiment vous aider à planifier.